Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Life After. Là nous sommes à l'opération de zone Golden Desert, donc désert doré en français, avec un petit gameplay assez sympa, des petites astuces, des petits tutos. Je vous laisse visionner et je vous explique tout ça en cours de route. Donc là, pensez à jeter le sérum de ralentissement afin de permettre, voilà, comme son nom l'indique, de ralentir l'ennemi. C'est assez sympa et voilà, ça vous fait gagner un petit peu de temps, ça évite que tous les ennemis s'éparpillent à droite à gauche. Donc pensez bien à le faire à chaque fois que vous avez la structure en face. Vous tirez dessus, ça les électrocute, et ensuite vous jetez un sérum de ralentissement. Comme ça, ils restent aggro dans la même zone. Et ensuite, hein, c'est du full DPS directement. Vous refaites la même ici. Petite astuce, partez vraiment sur la gauche de façon à ce que, voilà, quand vous allez activer, les autres qui sont derrière vont venir et généralement sont électrocutés également. Ne venez pas directement en face. Et là, le petit dernier. Voilà, première étape d'effectuer. Donc là, par la suite, vous allez passer au sniper afin, voilà, de pouvoir faire de la longue distance. C'est toujours sympathique. Et en plus, voilà, les mobs ne sont pas super forts à part les autres. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas forcément des modes d'armes dessus parce que j'ai pas envie de switch à chaque fois. Mais avec la nouvelle mise à jour, tout cela va changer. Donc voilà, vous en avez plusieurs à kill. Au loin, prenez directement le sniper, ça vous évite d'utiliser trop de durabilité sur votre armure parce que les gros impériaux, eux, font pas mal de dégâts, quoi. Donc comme vous pouvez le voir, hein, nous on est deux au sniper et on a un troisième, un collègue qui lui va plus être au corps à corps avec le KSG. Voilà, suivant les teams que vous êtes, hein, si c'est une team de 3, une team de 4, vous avez tout à fait possibilité de jongler à votre convenance. Donc là, petite boîte de munitions, c'est pratique parce que du coup, généralement, vous êtes à court de munitions avec les précédents mobs que vous avez kill. Donc là, petite astuce pour pas que, enfin, pour que le bug marche, le bug d'après, surtout il ne faut que personne de votre équipe ne monte sur les escaliers où vous avez les trois gros impériaux. C'est vraiment important. Donc là, c'est les trois plus longs à tuer, ils sont un peu galères. Après en soi, là, ce stronghold reste assez facile au fur et à mesure qu'on avance dans les levels. Voilà, le dernier est tué. Donc là, pensez avoir toujours avoir crafté en amont une barricade. Et en fait, la barricade, bah, là, vous allez la mettre juste ici, là où je vais la poser. J'ai oublié de la mettre en raccourci, mais bon, voilà, si vous voulez encore gagner un petit peu de temps, vous la posez juste ici. Une fois qu'elle est posée, vous allez parler à Natacha. Voilà, et là, en fait, elle fait le tour. Et à 99%, voilà, comme vous pouvez le voir, il va y avoir aucun zombie qui vont venir. Les zombies vont rester bloqués dans leur chaque rayon. Ça peut arriver des fois que malheureusement le petit bug bah, ne se bug pas. Mais à 99%, voilà, il n'y a pas de souci, le bug va marcher. Et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous regrouper et à patienter le temps des 6, des 8 vagues, pardon, et après les 30 secondes avant que Lazarov ne se ramène. Je vais passer en accéléré, histoire d'aller un petit peu plus vite, un petit coup de guitare. Et ensuite, hein, pour le boss final, essayez autant que possible de ne pas être groupé parce que quand il va faire ses différents patterns, si vous êtes tous regroupés, qu'il peut vous faire mal. Et que vous êtes tous morts d'un coup, bon bah du coup échec du Stronghold et il n'y a plus qu'à recommencer. Donc hein, essayez d'être assez dispatché
Mais après, en soi, il reste assez facile. Là, si vous le souhaitez, en amont, bien entendu, avant d'activer le boss, vous voyez que sur la map, il y a plusieurs structures qu'on peut activer jusqu'au moment où elles vont être électrifiées. Alors, vous pouvez anticiper et du coup leur laisser un tout petit espace de façon à ce qu'il n'y aura plus qu'un coup de feu à mettre afin de lancer l'électricité. Mais au bout d'un moment, voilà, comme vous pouvez voir dans la vidéo, je ne l'ai pas forcément fait. Enfin, nous ne l'avons pas forcément fait. Mais voilà, après, du coup, c'est assez... C'est une partie de rigolade, on va dire, avec le KSG, mais ça l'est moins, c'est sûr, dans les débuts de jeu. Voilà YouTube, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche afin d'être alerté des prochaines vidéos que je poste. Allez, bonne journée à vous, ciao!